Bonjour les fines bouches. Je vais vous raconter une petite anecdote. À 800 mètres de la Riade, là où nous tournons, là où j'habite, il y a un petit corps de ferme qui est en bord de route et qui est à flanc de coteau. Et de l'autre côté de la route, ça descend vers une petite, un petit rue où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a un petit rue quand même. Et ils ont appelé ce domaine-là la grenouillère, parce que le chemin qu'empruntaient les grenouilles pour venir à la ferme jusqu'au petit rue, ça traversait la propriété. Alors, là, depuis quelques années, s'est installée une dame, Céline, qui fait du safran. J'ai trouvé ça magnifique, faire du safran à Montigny-en-Grin à 800 mètres. Et ça m'a donné l'idée de faire, pour mon repas de Noël, une crème de safran avec des Saint-Jacques. Donc on va faire une poêlée de Saint-Jacques à la crème de safran. Le safran venant de la grenouillère. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette poêlée de Saint-Jacques au safran, à la crème de safran de Saint-Jacques? On oublie le corail, juste la noix. Le safran, on a besoin du safran de la grenouillère, vin blanc, crème liquide, de la poudre de fumet de poisson, pas du fumet, de la poudre. Donc si vous n'avez pas le temps de faire un fumet et de le faire dessécher, vous l'achetez chez votre épicier. De l'échalote ciselée très finement, du beurre pour faire revenir les noix, et on a besoin d'un verre dans lequel on va mettre de l'eau tiède et faire diluer le safran. On démarre la recette, je commence. Je vais mettre dans ce verre, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, hein, de l'eau tiède. Je vais prendre deux pincées de safran. Ça, c'est la première chose à faire. On réserve. Ensuite, on va allumer le feu. On va mettre 40 g de beurre à revenir. On fait attention à ne pas le cramer. En attendant que le beurre chauffe, on va légèrement saler et poivrer nos noix. Et là, on va commencer à les mettre une par une, en les retournant pour pouvoir assaisonner l'autre côté quand elles seront dans la poêle. Donc, on assaisonne l'autre côté. On laisse quelques secondes de chaque côté. Une fois qu'on a tout débarrassé, on prend les échalotes dans la même poêle et on les fait revenir. Pas trop fort, on va éviter qu'elle colore. Enfin, qu'elle colore. Là, il y a le beurre qui les colore un peu, mais faut pas qu'on les fasse brunir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les saupoudrer avec
du fumet de poisson. En poudre, bien sûr. Ensuite, on va déglacer au vin blanc. On augmente un peu le feu pour faire revenir 20 secondes. Et là, on verse le safran et avec l'eau dedans. Là, on assaisonne un petit coup. Et on va laisser ça réduire jusqu'à presque plus de liquide. Donc ça doit prendre 3 ou 4 minutes. Donc, dans 3-4 minutes. Quand ça a bien réduit, vous prenez votre crème liquide et au feu le plus doux, vous l'ajoutez. Là, à cet instant-là, mélangez bien et vous laissez une bonne minute que tout ça se marie bien. Dès que vous sentez que ça commence à épaissir un tout petit peu, vous remettez les noix dedans uniquement le temps de les remettre en chauffe pour être dégustées. C'est-à-dire en gros une minute quoi. Pendant ce temps-là, je débarrasse. Je vais ciseler ma ciboulette. Pour mettre dessus, pour donner une petite coloration. Là, on a choisi de dresser dans ça. On va couper le feu. Et on va servir. Si c'est en entrée, comme c'est le cas pour moi, 3 voire 4 noix, avec évidemment nappé de sauce et un petit peu de ciboulette. Et ça, vous servez. Et vos amis vous diront, waouh, je crois que je vais revenir dîner encore demain soir. Voilà les fines bouches. Un plat comme ça, c'est un plat de fête. C'est un plat que l'on fait pour se faire plaisir. C'est le bonheur de la gastronomie. Je vous conseille d'essayer une fois. C'est pas donné, certes, Saint-Jacques, safran, mais quand même, de temps en temps, on a le droit de se faire plaisir. En entrée ou en plat avec un petit peu de riz à côté, je vous assure c'est une tuerie. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?